Salut les amis, c'est Stéphane! Et bienvenue sur FIFA 2019. Donc FIFA 19 sur PS3, les amis. On est sur PS3, donc ça on s'en fiche un petit peu. Ça c'est les petits trucs qui s'affichent des fois. Donc on est sur PS3, les amis. Et bienvenue sur FIFA 19. Donc le tout nouveau jeu que je vous ai parlé, qui allait avoir sur ma chaîne, bah, il est arrivé. Donc j'ai eu le temps de bien faire mon jeu, mon FIFA. Du coup, FIFA 2019. On avait arrêté PES, donc désolé pour les fans de PES, mais c'est comme ça. Voilà, donc on va aller là, on a les entraînements, là on a les machins. On a le mode en ligne, qu'on va pas aller spécialement regarder parce que ça vous intéresse pas. C'est mon mode en ligne à moi. On a ça, du coup, les paramètres. On a ça c'est le début avec carrière du joueur. On a les entraînements, on a la coupe féminine, on a les coupes chargées, on a devenir joueur pro. Devenir joueur pro, devenir gardien de joueur pro. Mais nous on va s'intéresser au match. Donc question d'équipe, ça c'est les équipes qui sont affichées mais c'est pas grave. Il y a le reste du monde, donc reste du monde, ça c'est rien, c'est ce qu'il y a. On a les équipes nationales. On a aussi qui change de PES 2016, version Euro 2016. C'est les femmes, on a aussi les femmes, on a aussi la féminité. Les femmes, on a aussi les femmes. Donc on a aussi on peut jouer aussi les femmes. Qui va peut-être aussi jouer. Donc là, je vais faire un match pour commencer un peu basique. Je vais prendre. Allez. On fait un match comme ça, un peu basique. Je prends l'Atlético de Madrid de João Félix. Contre aller je sais pas ce que je regarde. Ou aller contre Bayern. Les maillots, donc on s'en occupe pas trop. Je n'ai pas fait la démarche aussi des maillots de l'équipe adverse. Donc moi je vais jouer ça c'est les équipes. Moi je vais jouer avec ce maillot. Eux ils vont jouer avec ce maillot rouge. Voilà, donc de l'autre côté on voit pas l'équipe, on voit juste la mienne, donc évidemment il y a João Félix qui est quelque part, je sais plus trop où il est. Qu'on a un joueur Félix quelque part. Joueur Félix, voilà. Il est ici, joueur Félix. Joueur Félix. Joueur Félix. Attendez les amis, je vais juste vous arranger un, deux, trois, un tout petit truc. Voilà. Joueur Félix. Il y a spécialement donc du coup João Félix pour préciser du João Félix voilà donc João Félix les amis sur le jeu du coup est remplaçant parce que j'ai pas eu le temps de le mettre bien à l'Atlético de Madrid titulaire mais je vais le faire pour les peut-être les prochaines vidéos peut-être pas je vais voir mais pour l'instant João Félix remplaçant ça suffit largement parce que là, il parle un peu si c'est imposé aussi dans les années 2010, un petit peu là. Bon, allez, on voit du côté de la Tete Club de Madrid, João Félix numéro 7, Diego Costa. Voilà, donc ça va être un 2-4-4. Un 2-4-4 avec le gardien. Du côté de la Tete Club de Madrid. Et du côté du Bayern Munich, il y aura Thomas Müller, il y a Neuer quelque part, je sais plus trop, bref, à 1, 4, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, plus le gardien. Voilà, du coup, on joue comme ceci. La Ligue de Madrid qui a la balle. Moi, je joue en, pratiquement, vous voyez la couleur à peu près des maillots. La Ligue de Madrid, moi, je suis la Ligue de Madrid. Vous voyez bien la balle, ouais, tout va bien. Pablo Martinez.
C'est l'ouverture de PES, de FIFA, je veux dire. Du coup, on joue tranquillement des matchs comme ça. Après, plus tard, peut-être on fera des trucs plus spécial comme une petite carrière peut-être de Ronaldo, un petit truc comme ceci. Attendez, là on voit pas très bien, donc voilà. Je fais juste arranger 2-3 trucs pour que vous voyez bien. Voilà. Normalement, on voit tout bien. Attendez, vous voyez pas très bien. Voilà, peut-être là vous voyez mieux. Non, en fait. Attendez, donc j'essaie de bien vous à peu près vous arranger tout pour que vous voyez bien spécialement. Donc voilà. Bon, vous voyez pas très bien, mais bon. Voilà. On va rester sur ce mode-là, même si bon. C'est pas. Oula! Normalement, vous voyez bien la balle. Normalement, vous voyez bien le tout. Bon, je vais essayer d'arranger le maximum pour que vous voyez bien. Voilà. Comme ça devrait aller un peu mieux. J'ai du coup de faire de mon mieux. Avec un tir, ouais, là il y a le gardien, bonne prise de balle, pas de soucis. J'essaie de vous faire un peu mieux, donc désolé si cette vidéo-là est pas comme les autres. C'est la première fois que je fais du FIFA et puis en vidéo du coup. Et puis j'essaie de vous. Fait du temps, ça va s'arranger. Mais du coup, je savais pas trop si on va aller voir les bailleurs tout le jeu, donc là. J'essaierai pour la prochaine fois de vous arranger un peu mieux le jeu. Je vais vous préparer ça. Donc j'ai préparé ça, mais je me suis dit, je sais pas trop si en tournage ça va bien se passer et tout. Donc c'est que le début. Le début des fois d'une certaine vidéo. Comme le début du catch, c'était pas terrible, terrible. Donc là c'est à peu près pareil. Toi-même là, je vais peut-être des fois toi. Essayez bien de vous de bien tout vous arranger. Donc désolé si on voit pas très bien. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Donc, désolé si même vous. Là, c'est mieux. Voilà, donc désolé s'il y a des petits trucs que je modifie. C'est parce que je suis en train de tourner et je sais pas trop si en gros sur le jeu, bah vous allez bien voir le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai fait attention à vous refaire bien là un truc. Donc c'est le début, c'est le début. Après, fait du temps, une fois qu'il y aura une première vidéo, ça c'est la première vidéo, la deuxième vidéo sera mieux, et la troisième sera mieux, et puis bah au fil du temps. Comme PES, ça a été au début pas terrible, terrible. Après, au bout d'un moment, ça s'est amélioré. Là, c'est pareil. Donc, désolé à ceux qui disent oui, mais le catch était mieux, GTA était peut-être mieux. C'est que le début. Mes débuts sur un jeu, je ne sais pas trop comment si ça va être bien, ça va être pas bien, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Au moins pour ce début. Voilà, donc au moins pour le début de FIFA, donc dites-moi si vous aimez. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Donc du coup après on fait qu'un seul match de foot, c'est juste pour vous montrer à peu près le truc. On fait pas des matchs de foot, c'est pas c'est juste l'ouverture de FIFA, donc les matchs vraiment les matchs de foot commenceront à la deuxième vidéo, donc la prochaine fois que je ferai du FIFA sur ma chaîne. Donc voilà. Ce sera vraiment du foot, du foot. Là, c'est l'ouverture de FIFA. Donc, on n'est pas spécialement un match de foot pétarculier. Donc, j'ai fait du match comme ça que j'avais envie de faire à peu près. Le Bayern Munich qui emmène. Et but!
du Bayern Munich. Go, 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 Bayern Munich. Le Bayern de Munich qui ouvre le score. 1-1-1-0. Bon, comme je disais, le sujet c'est pas de vous faire du FIFA, des matchs de FIFA, là c'est juste le premier match pour vous montrer à peu près l'impression. Voilà, donc il y a un joueur blessé à l'Atlético de Madrid. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu l'impression, tu vois, quand un joueur est blessé ou quand un truc comme ça. C'est pas pour vous montrer spécialement. C'est pas pour vous montrer spécialement le jeu, genre pas pour faire des matchs. Ça, les matchs, ce sera plus tard quand vous connaîtrez bien le jeu. Voilà, donc quand vous connaîtrez bien le jeu, que j'aurai bien fait le début sur ma chaîne du jeu. Même si certains vont me dire oui, mais on connaît le jeu sur FIFA. Moi, je fais toujours ça parce que voilà, donc c'est mon arrivée sur mon jeu sur ma chaîne. Chacun après assez patient, donc moi je fais mes passions, je fais ce que j'aime. Voilà, donc moi je fais ce que j'aime sur YouTube, donc sur ma chaîne je fais ce que j'aime. Ça vous plaît, vous vous abonnez, ça vous plaît pas, vous vous abonnez pas, allez pas vous me critiquer, allez pas me... Moi je fais ce que j'aime, donc c'est ma passion. Je partage ma passion, donc j'essaye de vous faire les débuts du jeu tranquillement. Même si j'ai sorti FIFA 20, PS20, moi je fais ce que j'aime. Voilà, ma patience c'est faire ce que j'aime. C'est vous partager ce que j'aime avec vous, les abonnés. Et puis je vais aussi vous parler, ça c'est après de la vidéo, j'ai un petit message à vous faire passer. À la fin de ma, pas à la fin de la vidéo mais quand on va finir le match. J'ai un petit message à vous passer. Un petit message à vous faire passer, donc petit message léger. C'est que FIFA, je vais même le dire maintenant. Enfin, je vais même le dire maintenant pour qu'on soit bien sûr. Du coup, pour tous ceux qui me suivent sur la chaîne, PES est bien terminé. PES est bien fini. J'ai plus de PES sur ma chaîne. Peut-être l'occasion de faire un autre PES sur ma chaîne plus tard. Enfin, pour l'instant, on n'est pas prévu de faire un autre PES sur ma chaîne. Mais bien prévenu, si je fais pas beaucoup de vidéos ce temps-ci. Ou si vous voulez voir 3 semaines, 1 mois, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis en repos, parce que j'ai pas envie de faire la vidéo. Si je vous prépare une vidéo, je sais trouver le titre de la vidéo, le thème de la vidéo. Est-ce que je fais, je sais pas, GTA 5 en ligne avec une personne, est-ce que je fais du GTA 5 braquage personne. C'est beau faire une vidéo, désolé, c'est beau faire une vidéo bien prévenue. Voilà, les hors-jeux aussi sont bien faits aussi dans ce jeu. Voilà, c'est pour vous faire part du jeu, part de la vidéo qui va être bien. Je vais vous faire des vidéos tous les mois, tous les 3 mois, tous les 2 semaines, tous les... Quand je peux faire la vidéo, je fais. Mais dans ce cas-là, c'est pour vous faire part de la vidéo, toi, avec un joli thème, un truc bien. Voilà. Pour le catch... Vous m'avez dit que c'était bon les shows. Bah ben, on va faire les shows aussi, ça va arriver aussi sur la chaîne. Ça va arriver aussi sur la chaîne, donc les sims sont supprimés. Donc je ferai peut-être une vidéo où je parlerai ce qui a été supprimé sur ma chaîne, ce qui a été ajouté, ce qui a été arrivé. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo comme ceci. Une vidéo, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mon Snapchat, donc je suis pas présent ces temps-ci, même pas beaucoup. Mais abonnez-vous à mon Snap, au cas où je serai présent à un moment. Et puis, aussi, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer quelques nouveautés. Et but ! Golo ! Thiago ! Thiago ! Thiago, le Bayern, Munich, 2-0, 2-0, les amis. Voilà, donc c'est pour vous dire que même si je suis malade, donc quand je suis malade, je vous le dis pas. Vous voyez que ça va faire trop de vidéos, donc vous ne saurez pas quand je suis malade ou pas.
Mais je préfère pas vous le dire. Après, du coup, les directs. Sur YouTube, je peux pas faire de direct. Sur Snapchat, il n'est pas sorti le mode direct. Donc, je fais aussi des directs sur Instagram. Pendant ce temps-là, mon Instagram, c'est un Instagram à moi perso, donc je vais pas vous l'envoyer. Donc, c'est les directs sur Instagram. Donc, si vous voyez certaines personnes me trouvent sur Instagram, je vous donne pas le Instagram. C'est mon Instagram à moi. Si vous me trouvez sur Instagram, tant mieux pour vous. Si vous me trouvez pas, c'est pas grave. Pas de me demander mon Instagram. Ça, c'est, je vous le dirai pas. C'est juste si vous le trouvez, vous le trouvez. Si vous le trouvez pas, c'est pas grave. Principal, c'est abonnez-vous à ma chaîne. Mon Instagram, je m'en fiche un peu. Si vous êtes abonné, comme mon YouTube, comme mon Snapchat, vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Plus important, c'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Plus important, c'est ma chaîne YouTube à vous abonner. Je ferai aussi une vidéo au remercie, une petite vidéo que j'ai pas encore fait. Où je ferai de, peut-être de temps en temps ce que je supprime, que j'avais supprimé, ce que j'arrête, ce que j'ai stoppé. Il y a des trucs aussi que j'ai stoppé. Je me suis dit j'ai stoppé, même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos que j'ai stoppé. Il y a des vidéos que j'ai stoppé, il y a des vidéos que j'ai supprimées, il y a des trucs qui va arriver sur la chaîne. Tout ça, je vais vous parler sur une vidéo spéciale qui va arriver aussi très 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 bientôt même. Et pour ce qui est du GTA, bah vous saurez ce qu'il va être GTA sur ma chaîne. Ça va être. Bon, tout ça, suivez ma chaîne le maximum. Même si c'est de temps en temps, suivez ma chaîne. Voilà, donc cette vidéo-là peut être très courte, c'est juste pour vous faire la petite démo. Voilà, donc on sait qu'il y a un blessé, vous voyez directement, le jeu se stoppe. Je trouve les blessés un peu mal faits. Parce que le jeu se stoppe, mais moi j'ai pas voulu le jeu se stoppe. On change de joueur, et après il ressort par la... toi par lui-même. Moi j'ai préféré, toi, qu'en fait, il y aille on joue le match, l'arrêt de jeu s'arrête. Et puis qu'il y a les médecins qui viennent le sortir directement quand il est blessé. C'est la mi-temps, les amis. La mi-temps, donc 2-0. Donc la pause. Voilà, donc voilà, on voit pratiquement le score. Donc désolé si je arrange un peu. C'est pour que vous voyez tout nickelement bien. Voilà. Du coup, désolé si j'arrange, c'est le début. Comme je vous dis, c'est le début du jeu. Donc, tous les jeux, mon début était pas formidable. Je savais pas. Donc là, j'espère que cette vidéo-là vous plaît. Et puis, pour certains, ça vous plaît pas, bah désolé. Voilà. Et puis, si je bouge un peu trop ma caméra, parce que je suis avec une caméra. Voilà, maintenant, vous savez à peu près quoi je filme. Si ma caméra bouge un peu, il y a un peu trop de trucs, c'est que le début. Du coup, pour ce qui est du jeu... C'est le début sur ma chaîne, donc je vais faire une modif. Je vais rester comme ceci. Voilà, je vais rester comme ça. Comme c'est le début sur ma chaîne, c'est normal que ça soit un peu... C'est l'arrivée, donc j'essaie de vous faire une vidéo. Je suis pas professionnel, je suis pas quelqu'un qui va faire une vidéo de qualité. Qui va faire un FIFA 19 de qualité, non. Il n'y aura jamais des jeux de qualité. Il n'y aura jamais des jeux de qualité sur ma chaîne. Donc c'est pour vous dire. Voilà, donc il n'y aura jamais de jeu de qualité sur ma chaîne. Il n'y aura pas de jeu de qualité, ça veut dire des jeux auquel il y aura une grande qualité d'image, vous voyez bien le jeu et tout. Non, non. C'est comme je vous ai dit, ça peut des fois dépendre de comment je vais faire le jeu. Des fois je peux faire le jeu, je peux voir, j'oublie un truc, donc je vais couper, je vais... Voilà, donc mon Instagram, si vous le trouvez, vous le trouvez, si vous le trouvez pas, bref. L'Instagram, c'est du provisoire, c'est pas... abonnez-vous à mon Snap, je vous le dis, mais c'est comme ça, donc abonnez-vous à mon Snap, essayez de trouver mon Instagram si vous voulez, bref. Tout ça, c'est mes réseaux sociaux, bref. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Le sujet le plus important, c'est abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, il y aura une vidéo auquel je vais vous parler de mes abonnés, plus précisément. Pourquoi j'ai voulu faire YouTube. Donc pourquoi je voulais commencer les vidéos sur YouTube, pourquoi je voulais faire des vidéos sur YouTube. Je vous décris un peu pourquoi je suis arrivé aujourd'hui à une communauté d'abonnés qui me fait plaisir et qui me fait le temps de faire une vidéo sur YouTube. Pourquoi je... Alors d'aujourd'hui j'ai une...
j'ai des abonnés et j'ai pas envie d'arrêter YouTube. Et pourquoi même si ça va prendre 3 ans, 4 ans, 6 ans, 12 ans, il y aura une vraie qualité, une vraie vidéo, un truc qui aura pris le temps. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et pas me dire non YouTube je veux pas faire, ça va prendre trop de temps. Quand je me suis dit tiens, est-ce que je fais des vidéos tous les jours? Donc, tout ça sera sur une vidéo. Pourquoi lors d'aujourd'hui j'ai des abonnés qui me soutiennent. Et but goal. Zut. Pourquoi alors d'aujourd'hui j'ai voulu faire une genre de... Pourquoi je voulais... Je continue YouTube. Est-ce que c'est dans l'abcès d'un but? Est-ce que c'est dans l'abcès... Parce que j'aime bien YouTube. Est-ce que c'est pour un but précis quand je fais des vidéos? Est-ce que c'est pour dire aux abonnés je suis le meilleur? Est-ce que c'est pour... Tout ça c'est dans une vidéo. En même temps dans cette vidéo là je vous parlerai pourquoi j'ai décidé de faire de supprimer certaines vidéos, faire d'autres vidéos. Donc tout ça sera dans une vidéo. Comment j'ai réussi à faire YouTube. Pourquoi j'ai décidé de vouloir faire YouTube et non pas je sais pas, des vidéos que sur Instagram, des vidéos que sur Snap. Pourquoi je voulais faire YouTube. Tout ça ce sera une vidéo qui va arriver. Je la prépare. Voilà donc je t'ai dit c'est un match comme ça pour faire une petite démo. Donc c'est pas sur un but de gagner le match. Voilà. Donc voilà, donc je vous fais part pourquoi j'ai voulu faire YouTube et non pas autre chose. Tout ça c'est sur la vidéo qui va arriver. Et but goal, Thiago. Alors pourquoi je fais une vidéo pourquoi je voulais faire YouTube et non pas d'autres choses sur la chaîne. Est-ce que j'ai voulu sur ma chaîne il y aura des nouveaux trucs, je vais faire part des nouvelles vidéos qui peut-être qui va arriver. Après les vidéos, même si je vous fais pas part des vidéos qui vont arriver, mais au moins je vous fais part de ce qui va arriver genre nouveauté. Si je décide de faire un nouveau truc, voilà. Pour ce qui est de la vidéo Sensei un brave solitaire. J'ai pas encore trouvé le titre, mais elle va arriver aussi cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je fasse bon, ça c'est pas le sujet, mais je vais peut-être faire la fin, je verrai. Et de Lemar Atlético de Madrid. À la BBNC, BBNC. On va aller BNC, BNC. Attaque Real de Madrid, c'est le Real de Madrid. Non. Tétis Claude Madrid. Voilà donc je ne veux pas vous dire non plus certaines vidéos parce qu'il y a des vidéos que je vais faire que je n'ai pas prévues. Des fois c'est des vidéos qui viennent comme ça. Des fois c'est des vidéos je me dis tiens j'avais envie de faire cette vidéo là, je la fais, je la sors. Ça vous plaît, je continue, ça vous plaît pas, voilà. Donc il y a des vidéos que j'ai arrêtées à cause de certaines raisons. Et peut-être certains ne la connaissent pas la raison. Et but. Il y a certaines personnes qui connaissent pas la raison. Il y a certaines personnes qui connaissent pas la raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté peut-être les Sims. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce jeu-là spécialement. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter PES. C'est pas pour faire du FIFA parce que j'ai pu bien faire d'un côté FIFA en termes jeu normal, en termes amicaux. Et j'ai pu faire du PES en termes Coupe du Monde, Coupe d'Europe et tout comme ça. Tout ça, vous savez pourquoi j'ai voulu arrêter. Et but go de Thiago. Voilà, donc c'est un thème. Tout ça, c'est sur une vidéo. Je parle du début arrivé sur YouTube. Pourquoi alors d'aujourd'hui je continue YouTube et je me dis pas bah tiens j'ai des abonnés, je dis non vas-y j'ai la flamme sur YouTube, j'ai envie d'arrêter. Des fois ça m'arrive de dire est-ce que j'arrête YouTube, est-ce que j'arrête pas YouTube, mais j'arrête pas. Pourquoi j'arrête pas, bah vous le saurez dans la vidéo
pourquoi je suis devenu sur YouTube, pourquoi je suis youtubeur et non pas pâtisserie, non pas gâteaucier, ouais, je fais des vidéos où je monte des gâteaux. Pourquoi je suis venu sur à l'idée de faire ce que j'aime, parce que moi YouTube c'est pas pour le but, peut-être c'est pour un but, je ne sais pas, je vous le dis pas sur la vidéo, vous allez découvrir tout ça, vous allez découvrir à peu près pourquoi je décide de faire YouTube et non pas Instagrammeur, YouTubeur, YouTubeur. Tout ça c'est une vidéo spéciale. Voilà. Voilà donc tout ça est pour peut-être un but précis, peut-être pas, peut-être le plaisir. Abonnez-vous le jour où j'aurai mon premier trophée YouTube. J'ai prévu aussi la vidéo mais ça ira peut-être jamais. Peut-être jamais, je précise pas. Le jour où j'ai mon premier trophée YouTube, dans ce cas-là, je remercie YouTube. Si un jour j'ai mon premier trophée YouTube, je serai remercié sur la vidéo, je vous montrerai la démo de le trophée et tout. Je serai hyper content. Peut-être même en vidéo, je pourrais pleurer, montrer mes émotions. Mais dans ce cas-là, le jour où j'ai mon premier trophée YouTube, YouTube sera plus la même chose pour moi. Et là, comme YouTube sera plus la même chose, il y aura plein d'abonnés qui me suivent. Alors là, dans ce cas-là, ce sera plus la même chose. Je me verrai plus pareil que je me verrai maintenant. Maintenant, je me vois dans un youtubeur, toi, qui fait des vidéos. Je me dis, et ça marche à chaque fois. Si j'aurai plein d'abonnés, donc mon premier truc YouTube, c'est plus la même chose. Ce sera pas dans l'abcès. Go! Voilà. Donc est-ce que quand j'aurai mon premier truc YouTube, je verrai plus YouTube de la même chose. Pas comme un travail, je verrai pas YouTube comme un travail. Je verrai YouTube comme une genre une passion, un truc que les gens ils aiment voir. Là pour le moment c'est une passion, je suis une passion, je vous partage ma passion avec vous, donc je vous partage ma passion. Voilà donc je vous mets un peu les scores 8-1. Voilà donc 8-1. Voilà donc là pour l'instant je vois YouTube comme une passion. Les gens aiment mes vidéos, s'abonnent, les gens s'aiment pas, bah s'abonnent pas. N'allez pas me dire, allez pas vous abonner pour le plaisir de me dire que je vais m'abonner pour faire plaisir. Non. Ça je veux pas que les gens se forcent à vous abonner à la chaîne parce que c'est pour le plaisir vous abonner et. Non non, ça je veux pas. Moi je veux des gens qui s'abonnent à ma chaîne parce qu'ils aiment mes vidéos, ils aiment la façon de faire les vidéos. Ils adorent mes vidéos, ils veulent des vidéos. Ça c'est ce que je veux sur YouTube. C'est pas y a pas une personne qui vous dit abonne-lui à sa chaîne, ça va faire plaisir. Non. C'est pas le but. Moi même si j'ai 62 millions d'abonnés, c'est pas parce que les 62 millions d'abonnés par exemple a décidé de me faire plaisir. Non. C'est parce qu'ils aiment mes vidéos. S'ils n'aiment pas les vidéos, bah ça même pas la chaîne. Moi je serai toujours pour faire des vidéos. Et c'est tout. Même si j'ai toute ma vie, j'ai 225 abonnés, je resterai toute ma vie aux 225 abonnés, c'est pas un problème. Je serai pas déçu. Je travaillerai mes vidéos. Si j'ai toute ma vie 2 abonnés, c'est pas grave. Je fais mes vidéos parce que j'aime bien, mes patients. C'est pas pour un but précis. Je sais pas, je vous parlerai tout ça dans une vidéo. Je vous ferai tout ça dans une petite vidéo spécial où ça sera pourquoi je suis devenu youtubeur. Voilà donc je vous précise pas pourquoi le nom Stéphane Plutoto 1 c'est s'appellera ma chaîne YouTube Stéphane Plutoto 1 et non pas Stéphane Gaming 100 362 je sais pas abonnés. Ça je précise pas, je vous précise juste pourquoi je suis youtubeur, pourquoi j'ai voulu faire YouTube. Non pas gâteau aussi, non pas pâtisserie, non pas. Penalty, le penalty. Go, voilà les amis. Pour le match, je veux le supprimer. C'est un petit match comme ça. Je vais pas finir le match. C'est un petit match comme ça pour vous faire part. On va commencer à nous quitter. C'est un petit match pour vous faire part comme ça un peu du jeu.
Sur ce, j'espère que le début de FIFA vous a plu. Sur ce, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc vous saurez c'est quoi la prochaine vidéo. Je vous l'ai déjà dit, c'est pourquoi je suis devenu YouTuber. Voilà, donc j'espère que cette vidéo là vous a plu. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce rouge. N'hésitez pas à mettre le petit pouce rouge. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Désolé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter à Max cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-le sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, Messenger, Skype, X-Close, n'importe quel réseau social que vous connaissez sur Terre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait pour les nouveaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez sur ma chaîne. Si je peux le faire, je vous le fais. Si je peux pas le faire, je ne le fais pas. Et sur ce, à la prochaine pour des nouvelles vidéos.